Hello tout le monde et bienvenue dans mon nouveau vlog. Donc là, je viens tout juste de me réveiller. Je me suis réveillée à 9h et on m'a dit le petit déjeuner, ça se termine à 10h. Du coup, je me suis préparée rapidement. Et là, on part au petit déjeuner. Du coup, le visage fatigué, mais c'est pas grave pour un bon petit déjeuner. Enfin, j'espère, on va voir. Je vais vous montrer tout ça. Du coup là on vient tout juste de terminer le petit déjeuner et on s'est dit qu'on va à la piscine voir un peu comment c'est parce qu'on n'a pas encore vu. Où on entre comme ça, donc ici c'était l'ascenseur. Et on entre comme ça. Il y a un petit endroit pour manger. Waouh, je découvre avec vous. C'est canon. Il fait super beau. La vue, s'il vous plaît. Ah, ici c'est le jacuzzi. Pourquoi? Magnifique. Du coup là on est de retour dans notre chambre d'hôtel et ensuite là je vais me préparer parce qu'on va partir dans un autre marché et du coup là je vais faire ma skincare routine entre guillemets. En réalité, j'utilise qu'un seul produit et ensuite je mets mon maquillage, surtout en ce moment parce qu'il fait super chaud là, surtout aujourd'hui. J'espère que j'ai pas oublié la réunion d'ailleurs. Mon produit, j'utilise celui-là et franchement, il est top pour les taches d'acné. Moi, je l'adore. Donc, c'est le Bioderma Pigment Bio, donc c'est une gamme spéciale pour les taches. Et c'est un soin du jour et en plus il y a de la crème solaire dedans et c'est non comédogène, donc franchement top. Parce que moi en général quand j'utilise une crème solaire, bah c'est ça me donne tout le temps des petits boutons etc. Alors celui-là franchement ça me donne pas de boutons et j'ai l'impression qu'il agit vraiment en tant que soin sur ma peau. Donc il est génial, donc, je l'adore, c'est ma crème favorite. Par contre j'en ai beaucoup. Surtout ici il fait super chaud. Au début c'est blanc et ensuite c'est plus blanc en fait. Je vois
Enfin, pour moi, c'est la crème idéale. Genre, ça laisse pas un fini gras, c'est top. Voilà, voilà, maintenant j'attaque le maquillage. Et j'utilise mon anti-cerne que j'ai acheté à Saga Cosmétiques. Et franchement, c'est le meilleur. Je l'utilise depuis des années, depuis 2019, je crois. C'est celui-là, la référence. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis un peu plus en noir. Et pour faire un petit retour concernant le petit déjeuner, franchement, c'était trop bon. Il y avait de quoi manger, c'est un buffet, c'est à volonté. Donc si vous venez dans cet hôtel, n'hésitez pas à prendre le petit déjeuner avec, parce que je trouve que ça vaut le coup. Et franchement, mon ventre il est super plein, mais j'ai essayé de laisser de la place pour la journée, on sait jamais, et pour découvrir surtout, mais en tout cas c'est super bon. Après du coup j'utilise cette palette là, et franchement je fais tout mon maquillage avec cette palette là, même pour les yeux, pour la joue, et même parfois pour les lèvres. Et j'utilise que ces trois là, ces trois références, donc je l'ai acheté à Dubaï, du coup je me souviens plus où je l'ai acheté exactement, mais c'est la palette Revolution. Écrit ici, et je pense qu'on peut la retrouver chez Saga Cosmétiques, mais je suis pas sûre. Du coup je fais un mélange des trois parce que la flemme de faire un petit dégradé. Et voilà, franchement le séjour se passe super bien en ce moment. Je regrette pas d'être venue ici, parce que je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais j'ai été contactée pour partir à la Fashion Week cette année aussi, et c'était pendant mon voyage actuel en Thaïlande. Et du coup, comme tout était déjà préparé, payé et tout ça, je me suis dit je peux pas annuler la Thaïlande pour partir à Dubaï. Mais je regrette pas du tout, franchement là on est en famille et ça se passe super bien. Je mange super bien, quoi demander de mieux. Donc voilà pour les yeux. J'arrête de trop papoter parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, je vous ferai peut-être un tuto make-up peut-être un jour, je sais pas si ça intéresse. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou en message, enfin je sais pas. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je le ferai pas. mais voilà, donc j'arrête de papoter. Dernière chose, ce mascara de chez Saga Cosmétiques à 6,30€ je crois. Franchement, ça, c'est mon mascara préféré aussi. Franchement, il me fait des cils, mais vraiment, j'adore. Je vais vous montrer, vous allez voir. Là, regardez, si vous oubliez le avant et le après. Franchement, ça, moi, je vois bien les différences et c'est encore mieux en vrai. Donc si vous voulez tester 6€, s'il vous plaît, ça fait le taf. Bonjour, voilà ma tenue du jour avec des petites plaquettes à 5€ hier. Franchement, du coup là c'est parti, on va prendre le tuk-tuk, ça s'appelle dans le marché. On va prendre deux tuk-tuk. Hier, il y a un tuk-tuk qui nous avait fait à 600€, de 600 bahts, donc ça nous revenait très cher. Comparé à là, c'est à 100 bahts un tuk-tuk, donc ne vous faites pas avoir, c'est à peu près 100 tuk-tuk pour un seul tuk-tuk du coup. J'ai dit plein de fois tuk-tuk, mais vous avez compris. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Ça aussi parce que c'est plus pratique, donc ça fait porte-monnaie plus je peux ranger mon téléphone juste ici, donc c'est le top. Et là on nous a dit de nous arrêter un moment pour avoir une remise sur les tuk-tuk, donc c'était à 100 bahts et ils nous ont fait 50 bahts un tuk-tuk, donc franchement n'hésitez pas à négocier. Du coup là on I think you'll see.
Fee. Yeah. Fee. One more for him. For him. I came already. Ah. This is for me. Faire le marché sur l'eau, donc avec j'allais tomber. On va faire le marché sur l'eau avec les petits bateaux et on est arrivé. Ça a l'air trop bien. Donc là, je pense qu'il va nous expliquer. Thank you. Du coup, on a payé 400 bahts par personne et là, on va entrer dans le bateau et ça nous fait à peu près 10 € par personne. Sur le bateau et on va prendre le tuk-tuk encore pour retourner à l'hôtel. Franchement, c'est trop bien. Après, franchement, 2 heures sans partir sur le marché, c'est un peu long, mais 1 heure c'est assez si on veut juste se balader, voir un peu, faire juste l'activité. Et voilà, donc ça nous a pris 400 bahts pour 1 heure. Donc ça va, c'est 10 € par personne. Tout juste d'arriver à l'hôtel. Franchement, c'est trop cool. Là, il est. Alors, je regarde, il est 15h, 15h30. Donc, là, on va se poser un instant dans l'hôtel et ensuite, on va essayer de chercher quelque chose à manger parce qu'on n'a pas encore mangé. On a que le petit déjeuner sur notre banque, dans notre banque là.
Thank you. Bye. Les escalators, c'est à l'envers. À chaque fois, je veux monter ici alors que c'est de l'autre côté. Ben, on vient d'arriver au marché, on vient de sortir de l'hôtel et on est en train de choisir quoi manger. Et j'ai envie de tester ça. Du coup, là, ils sont en train de faire. C'est comme ça à l'intérieur. Et il y a la sauce. À un endroit et on a marché un peu dans le marché et c'est le même marché qu'hier et je vais prendre un riz un peu avec du canard je crois et des crevettes dedans. Ça a l'air trop bon. Thank you. Du coup on a pris ça, je sais pas c'est quoi, mais apparemment c'est super bon. Du coup là je vais manger. C'est trop bon celui-là par contre. Et du coup là maintenant je vais prendre un jus de mangue. Et c'est à 70 bahts, donc sec. Et c'est trop bon. Du coup il est grand comme ça le jus de mangue. Du coup il est à même pas 2 euros ce grand jus de mangue. Du coup j'ai pris aussi de la mangue et du riz avec je pense du lait et c'est comme ça. Attends, je vous montre parce que je vois que tout le monde quand il vient en Thaïlande il mange ça, du coup je me suis dit il faut que je teste aussi, donc go tester. C'est super bon. Le riz, il est super bon. Du coup, ça passe super bien. Il est 6h, on a bien marché, bien mangé. Et ensuite, on va partir à un autre marché qui s'appelle le Chinatown. Et voilà. Et on est entré et on s'est dit quoi, il fait déjà nuit. Parce qu'il est déjà 18h et que le soleil s'est déjà couché. Goûter à quelque chose, il fait un peu chaud, mais c'est quelque chose de salé et sucré, c'est au coco et à la crevette. Donc on va tester, on va voir si c'est bon. C'est bon? Ça m'y goûte là. Comment ça casse? Mais elle est sucrée? Elle est sucrée. Apparemment c'est sucré.
c'est du sucré salé. Ça va. Franchement, moi j'aime bien. C'est des mini pancakes au coco, ça a l'air trop bon. Ça, c'est un bar à jus au Langani. On va goûter aussi. Et c'est à 40 bahts, donc ça veut dire que c'est à 1 euro. C'est plutôt abordable. Il fait comme un salon. Mettez ta la glace dedans. Un peu sucré je trouve, mais non j'aime pas trop. Du coup là j'ai pris hot chocolat, j'ai pris des huîtres pancakes. Je goûte des trucs ici, c'est incroyable, mais ça a l'air tout est fait directement devant nous comme ça. Par contre c'est super gras, mais pas grave. Thank you. Là où je viens de filmer, il y a des huîtres et c'est des grosses huîtres. Il y a un pour 120 bahts, donc à 3 euros. Et j'en ai pris un parce que je voulais trop manger ça. Et du coup, j'ai testé. Et c'est des huîtres normales avec du citron à l'intérieur. Ou sinon, vous pouvez me faire aussi partir avec du fromage. Et moi, je voulais prendre nature avec du citron. Du coup, c'est ces huîtres là. Ça fait. Du coup là on retourne à l'hôtel et franchement c'est super bien, il y a tellement de choses à voir et à manger. Je vous conseille de faire ce marché si vous voulez voir quelque chose de nouveau. Là on vient tout juste d'arriver à l'hôtel et je vais goûter mes huîtres. Donc j'ai acheté un pancake aux huîtres. Et une huître seule avec du citron dessus. Il y a de la sauce à côté, donc on va goûter ça. Mais et voilà. Et après demain, on va se lever tôt pour un autre marché, je crois. Donc c'était trop bien. En tout cas, si vous voulez goûter aux spécialités thaïlandaises, n'hésitez pas à aller à Chinatown parce qu'il y a énormément de choses. C'est impossible de tout manger là-bas tellement il y a de choses à manger. En Chinatown, c'est vraiment plus les spécialités culinaires que des vêtements, tout ça. Et franchement, c'est quelque chose à faire. Et quand je suis arrivée, je me suis dit on va trouver des trucs. Et finalement, j'ai trouvé plein de choses à manger. Et il y a plein de monde, donc voilà, si vous avez des enfants, je pense que c'est pas le plus simple pour vous, mais si vous êtes en groupe, c'est beaucoup mieux, et parce qu'il y a beaucoup de monde, donc voilà, je vais tester mes huîtres maintenant. Donc voilà l'huître que j'ai acheté, et le pancake, qui pour moi, je dirais une omelette. Avant de goûter l'huître, du coup, je vais prendre l'omelette. Enfin, pour eux, c'est un pancake. Pour eux, c'est un pancake, mais pour moi, je pense que c'est une omelette. Enfin, c'est un peu des deux. C'est un mélange. Donc, on va tester. C'est trop bon, par contre. Du coup, je vais goûter avec le soja. C'est encore mieux. C'est encore mieux. En sachant que ça, c'est à 100 bahts. C'est à peu près 2,50 euros. Ça a l'air bon, mais ça a l'air super fort. Il y a le verre aussi. Ça a l'air super fort. C'est pas trop. Mais c'est à mettre sur ses huîtres.
c'est trop trop bon, franchement. Je regrette pas d'avoir pris ça. Et l'huître, c'est à 120 bahts. Du coup, c'est à peu près à 3 euros aussi. Donc ça va, je trouve. Un mangoustan pour la route maintenant. Pas trop bon. Cela est sucré. Non. Non. Sucré ? Ouais. Le premier là, mon je l'aime des cafés. Oui. Le premier là, cassé là. Je crois qu'ici, ils m'ont vendu la poignée. La poignée, c'est ça. Et à cause d'aller comme un papa en magasin. Oui, non, mais il garde tes soins, ok. Ok, pas. Ça couvre également les sangs chauds. Je sais pas, mais ton va aller bizarre. Quitté. Hein? Non, ouais. Je me suis trop vite, c'est gros, mais. On ira casser une autre façon. Celle-là, elle est bonne. Oui, elle est neuve. Trop beau. Pour avoir une idée de, du goût du mangoustan, c'est sucré. Ça a un petit goût acidulé derrière. Mais c'est très bon. J'arrive, il y a vraiment rien qui a le même goût. Les gens disaient que ça se rapproche du litchi, moi je trouve que rien à voir. Mais en tout cas c'est très bon si vous voulez tester un jour. Je me suis dit en regardant ce vlog, il me manque quelque chose. J'ai oublié de faire la fin s'il vous plaît. Donc je fais tout de suite, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude pour donner de la force. Et je vous dis à bientôt, bye bye pour de nouvelles aventures.